Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un haul. Je suis dépitée, j'avais déjà filmé, sauf que mes rushs se sont supprimés sur mon ordi, sur mon PC. Je ne peux plus me voir ce PC, je ne peux plus me le voir. Ça me l'avait déjà fait sur ma vidéo décoration de la chambre parentale. Et là, ça me l'a refait, donc autant vous dire, j'ai la haine. Qu'il faut que je refilme tout. En plus, vous avez trop filmé tout, en mode je découvrais les trucs en même temps que vous et tout. J'étais good vibes, et là, genre, je suis énervée. Alors là, c'est real life, je suis vénère. En plus, il y a des trucs dans des paquets, j'ai tout ouvert pour vous montrer, sauf que tout est supprimé. Donc voilà, pour tout ce qui est slip, je pourrais pas vous redire les prix parce que c'est pas tous les mêmes prix et que j'ai tout ouvert pour vous montrer. Je vous reprends avec un haul Kiabi. Pourquoi Kiabi? Parce que déjà c'est ma marque de vêtements préférée pour les enfants, même hommes et femmes, et ados j'aime beaucoup. Mais pour les enfants, vraiment, en plus je trouve qu'il y a des super belles choses pour les garçons, mais aussi pour les filles. C'est pas cher, c'est très qualitatif. Et je repense à tout ce que j'ai dit pendant mon haul, oh là là là, j'ai la haine, genre de me dire je vais tout refaire là. Genre là, vous voyez là, la Lou énervée. Parce que l'autre fois dans mon live, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, est-ce que ça t'arrive de péter des câbles et tout. Mais je suis calme, mais je pète des câbles aussi. Des fois je suis énervée, des fois je suis triste. Genre je suis pas tout le temps heureuse et contente. Hein. Je pense qu'on est tous pareils. Et là vous voyez la Lou énervée. Genre pas souvent vous me voyez comme ça sur YouTube, mais là vous avez la Lou vénère. Genre vraiment. Bref. Du coup, je vous fais un haul Kiabi. Ce qui va être cool, c'est que du coup, pour toutes celles qui me suivent qui sont en France, vous avez Kiabi aussi. Je sais pas si dans les dom-toms, il y a Kiabi. Je suis pas sûre, dites-moi en commentaire. Mais du coup, ça pourra vous inspirer parce que d'habitude, je vous montre tout ce qu'on achète ici au Canada et c'est pas forcément des vêtements ou quoi que vous pouvez retrouver en France. Même si j'essaye toujours de retrouver les mêmes liens Amazon, etc. Mais quand je peux pas, je peux pas. Donc là, vous allez avoir un haul spécial 100% France parce qu'en plus, Kiabi, c'est une marque française. Et je... Attendez. J'ai regardé dans une étiquette. Je suis pas sûre que ce soit fabriqué en France, hein, ça. Je vais vous dire ça de suite. Ah, c'est pas écrit. Mais je crois pas que c'est fabriqué en France, hein. Dites-moi en commentaire, mais il me semble pas. Usine Tunis. Bon, c'est fait... Et là, il y a écrit... Ouais, si, c'est ça. C'est fait en Tunisie, par exemple, pour un petit t-shirt. Bref, c'est pas fait en France, mais en tout cas, c'est une marque 100% française. Les stylistes sont français, etc. Bref, trêve de blabla. On va refaire ce haul, parce que vous, vous le voyez, mais moi, je l'ai déjà fait. Genre, j'ai trop la haine, les gars, j'ai trop la haine, vraiment. Puis, j'avais tout bien fait. Bref, allez, vas-y, let's go. On refait ce haul. Je vous disais en plus dans mon haul que là, j'ai mis une perruque, c'est une Youpart. Il y a juste mes cheveux devant. Elle est toute neuve, je l'ai reçue aujourd'hui, Amazon. J'ai reçu aujourd'hui, on est dimanche. Donc, si vous voyez des boucles, vous voyez, qui partent un peu en live, là, c'est un peu normal parce que c'est tout neuf et qu'il y a mes cheveux qui sont mélangés. Mais mes cheveux, je les ai pas bouclés, je les ai juste lissés. Donc, c'est parti. J'ai pris ce petit t-shirt qui est beige avec des petits dessins en mode surf, etc. Je le trouvais trop beau. Et en plus, il était pas cher. Il était à 4,50€. Et du coup, je vous disais que j'aime trop Kiabi parce que je trouve que c'est vraiment pas cher, que c'est très très abordable et c'est de la super qualité. J'ai pris un polo, enfin deux... Ah, en fait, ah oui, parce que du coup, vu que je l'avais déjà dit, j'ai oublié que je l'avais pas dit dans ce haul-là. J'ai acheté que des vêtements pour Maddy et pour Aiden. Parce que pour Noé, vu qu'il est ado, il préfère acheter lui-même et qu'il aime beaucoup la marque. Il faut savoir qu'ici, au Canada, aux États-Unis, ça coûte moins cher d'acheter de la marque que d'acheter des vêtements style que tu pourrais retrouver à Carrefour, enfin ici, Walmart, etc. Que c'est l'équivalent de Carrefour, Auchan et tout. Ben, c'est plus cher, en fait. Parce qu'ici, les marques sont produites ici, style Nike, Jordan, Polo Ralph Lauren, etc. Donc c'est vraiment pas cher, genre c'est donné, c'est réellement moins cher que là ce que je vous montre de Kiabi pour vous dire. Donc étant donné que c'est un ado, il aime beaucoup les marques, donc il achète des marques. J'espère que vous me voyez bien, oui. Donc bref, donc voilà, j'ai acheté que pour les enfants, les deux petits, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. On est sur un polo rouge comme ça. Trop beau. Les polos Kiabi, je les trouve magnifiques. Ils sont vraiment pas chers. Genre là, c'est 5€. C'est une qualité de fou. Là, en plus, ils ont rajouté ça. Je crois pas qu'il y avait ça l'année dernière. La petite raquette, là.
C'est un petit signe tout simple, mais je trouve ça super joli. Ça fait vraiment BCBG, vraiment le petit enfant riche, vous voyez, qui part de Neuilly, qui part faire du polo ou du basket n'importe quoi, ou du tennis avec sa petite raquette, etc. Genre même du golf, vous voyez le délire. Et je trouve que ça fait vraiment ça. Ce que j'aime bien avec les polos de Kiabi, c'est qu'ils sont quand même épais, c'est une super qualité. Par exemple, chez Zimane, vous les avez pour beaucoup moins cher, je crois à 3,50, mais ils sont transparents. Genre, ils sont transparents, c'est une qualité vraiment nulle, alors que Kiabi, la qualité est incroyable et ça rétrécit pas. Vous me demandez souvent si je mets tout au sèche-linge et je vous dis toujours que oui, je mets tout, même les trucs en laine, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines petites choses qui peuvent un petit peu rétrécir, notamment les polos. La matière polo, en fait, même si c'est du coton, c'est tissé d'une façon spéciale pour les polos. Et ça a tendance, par exemple, ceux de Stokomani dont je vous avais parlé l'année dernière, je vous ai dit que je les aimais trop et tout, ils avaient tendance un petit peu à rétrécir. Mais ceux de Kiabi, ça bouge pas. Genre, la qualité est incroyable. Ensuite, j'ai pris un petit short comme ça. Kaki. Trop beau, avec des petites poches sur le côté. C'est une matière qui est quand même assez légère tout en n'étant pas transparente. Alors, je sais pas si vous allez voir, genre c'est vraiment épais, hein. C'est pas transparent, enfin épais, dans le sens où c'est pas transparent, mais c'est quand même léger. Il était à 12 euros, ça c'est le genre de short un petit peu collection, comment expliquer? Au-dessus, genre c'est pas la première gamme qu'ils ont chez Kiabi. Donc celui-là, je le trouvais trop trop beau. Il était à 12 euros, je crois que je vous l'ai dit. Mais j'aime trop la texture, le tissu. Ça fait un peu genre aventurier et tout, de la jungle. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Je leur ai pris des pyjamas. Alors en plus, ça me fait trop rire parce que genre tout ce que j'ai mis dans mon haul, enfin que je vous ai fait comme haul que vous allez jamais voir, j'ai tout réempilé. Et donc là, je vous fais le haul à l'inverse, genre ça me fait trop bizarre. Donc je vous disais dans mon premier haul, j'arrête pas de dire ça mais vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu donc ça m'énerve. Je vous disais que Kiabi faisait des pyjamas pas chers, qui étaient vraiment très qualitatifs et que visuellement ils étaient beaux en fait, il n'y avait pas de trop gros, des grosses licences et tout et tout. Mais là du coup, bah, ils seront en dessous donc je vous montrerai après. Mais là je leur ai pris chacun un pyjama licence. Donc pour Maddy, on est sur du Sonic comme ça. Et le short est gris. Et du coup, ce pyjama-là, vu que c'est une licence, il est plus cher que d'habitude. Il était à 12 euros. Mais c'est quand même pas cher du tout. Vous allez voir, ceux qui sont pas avec des licences sont encore moins chers. Mais quand même, ils sont pas chers. C'est moins cher que ce qu'on peut avoir en France. Je leur ai pris un joli t-shirt beige comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, vous avez un logo. J'aime trop. Et du coup, il est vraiment super beau. Il était à 5 euros. Et vous avez du coup le devant. Alors attendez, le devant vraiment très très simple, vous voyez. Avec juste le petit logo là. Et en fait, c'est vraiment l'arrière qui fait tout. Et je trouvais trop trop beau. Faut savoir que pour les enfants, j'ai tout pris en double. Donc pour Aiden et Maddy, ils auront tous les mêmes vêtements. Et à chaque fois, je vous le dis, soit je les habille pareil, soit je mets par exemple le même t-shirt, pas le même bas. Ou inversement. Vous voyez, à part le short. Mais sinon, moi ce que j'aimais bien faire quand je faisais des achats pour les enfants, c'est de prendre un style de vêtement en plusieurs coloris différents. Donc des fois je les habillais pareil, vraiment genre le même style, mais pas les mêmes coloris. Pour du coup les pyjamas licence, on va avoir celui-ci pour Aiden en mode Mario. Vraiment très beau. Et vous avez le petit short qui va avec bleu foncé. Et lui aussi, si je dis pas de bêtises, il était à 12 euros. Ouais, c'est ça, 12 euros parce que du coup c'est une licence. On a le même t-shirt du coup pour Aiden, là aussi c'est le même. Je leur ai pris le même short que le kaki, mais version corail, et je le trouve trop trop beau. Vous avez toujours le même détail, je vous enlève juste l'étiquette. Même détail comme ça, avec les petites poches sur le côté. À l'arrière, je crois que je ne vous ai pas montré l'arrière, vous avez deux poches comme ça. Et je le trouve magnifique en corail. C'est pas une couleur qu'on voit souvent pour les petits garçons et encore moins pour les shorts. Puisque du coup, en short, généralement, on fait toujours du basique. Blanc, beige, gris, kaki, noir et bleu marine. Et du coup, là, ça change un peu. Et le corail, je le trouve vraiment super joli. J'ai pris des pyjamas. Alors, ce que je vous disais dans mon... Je vais pas arrêter de dire ça. Tellement je suis perturbée et énervée en fait d'avoir perdu mon haul. Je vous disais du coup dans le haul que j'avais filmé,
que j'aimais trop leurs pyjamas parce que je trouvais que, comme j'ai dit juste avant, ils ont de beaux motifs, ils sont beaux, ils sont très qualitatifs et surtout ils sont pas chers. Genre là, le pyjama que je vais vous montrer, 6 euros, mais c'est limite imbattable. Enfin, je crois même que c'est imbattable. Je pense pas qu'il y ait d'autres magasins avec un pyjama, enfin des pyjamas, pardon, aussi peu chers. Du coup, j'ai pris celui-ci en bleu avec du coup la tête de mort. Je suis pas très fan des têtes de mort, mais quand même, celui-là, je le trouvais un peu stylé. Et vous avez les shorts, enfin le short. Donc franchement, je le trouvais hyper beau. Donc j'ai pris le même pour les deux petits. Et j'aurais pu même prendre pour Noé parce que ça va jusqu'aux 14 ans. Mais en fait, sur Kiabi, il faut savoir que quand vous commandez... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Internet. C'est ma copine qui me l'a récupéré et qui me l'a fait envoyer. Quand vous commandez, vous avez un maximum. Genre, je crois que c'est soit pas plus de 300 euros, soit pas plus de 30 articles. Je sais plus. Mais il y a un maximum. Tu peux pas prendre en illimité. Donc du coup, je me suis vraiment focalisée sur les deux petits. C'est pour ça que j'ai pas pris pour Noé. Mais vous pouvez totalement le faire. J'ai pris le petit basique, mais vraiment plus basique que ça, tu peux pas. T-shirt noir comme ça. C'est vraiment très basique. Et du coup, qui dit basique dit pas cher. Il est à 2 euros. Et alors moi, j'aime bien avoir juste un t-shirt noir pour le remettre avec des shorts. Vous voyez, typiquement, même avec... Bon, le corail, j'aurais pas forcément assemblé ça avec du noir. Mais ça peut le faire, vous voyez, c'est pas choquant. Mais ce qui est bien avec ce petit t-shirt noir basique, c'est que tu peux le mettre avec tout. Mais vous pouvez aussi en acheter plusieurs vu qu'ils sont pas chers. Et si jamais vous avez une Cricut, faire des designs dessus, etc. Mettre un logo ou un prénom, enfin plein de choses. Vous pouvez faire vraiment... Ouf, je peux parler. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Et du coup, pour 2 euros, c'est vraiment donné. Et comme d'hab, Kiabi, qualité vraiment de fou. J'ai trouvé celui-là de petit... t-shirt que je trouve trop beau. Il est kaki comme ça et vous avez plein de petits dessins et c'est des dessins un peu jungle. Franchement, je le trouvais magnifique. J'aime bien parce qu'il y a un petit revers là sur la manche, donc ça fait un détail en plus, vous voyez. Et je trouve que ça fait propre, ça fait classe. Enfin, j'aime beaucoup. Et franchement, pas cher du tout. Il était à 5 euros. Ce que je vous dis, Kiabi, vraiment, je pense qu'en termes de prix, limite, ils sont imbattables. Là, il y a les slips que je vais vous les montrer après. J'ai eu un coup de cœur pour ce polo, pardon, que je trouve magnifique. Il est d'un beige, mais trop, trop beau. Vraiment hyper beau. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur parce que j'ai ma ring light. Donc j'ai peur que ça l'éclaircisse un peu plus. On dirait limite un blanc, voire blanc cassé. Mais c'est vraiment du beige. Donc vous avez toujours le petit logo raquette là. Toujours à 5 euros. Et franchement, magnifique. Pour moi, les polos, là j'en ai pris que deux. Du coup, celui-ci et le rouge. Mais j'en prends d'autres, des vrais polos Ralph Lauren et tout ici. Parce que comme je vous ai dit, c'est moins cher. Mais pour moi, c'est trop la base. Genre, attendez. La tenue... la plus magnifique là, qu'il y a là-dedans, ça va être ça. Dommage que j'ai pas un cintre pour bien vous montrer. Le polo beige. Est-ce que je vais réussir? Bon, je vais le prendre comme ça. Polo beige, avec ce petit short kaki. Mais c'est pas incroyable. C'est pas magnifique, c'est pas trop mignon, franchement. Mais j'aime trop. Et les polos, c'est ça que je vous disais, pour moi, c'est l'indispensable été pour les garçons. Il n'y a pas plus classe que le polo. Tu peux le mettre pour tout. Tu peux le mettre pour aller à l'église. Tu peux le mettre si t'as un mariage. Tu peux le mettre si t'as un baptême. Tu peux le mettre en mode un petit peu plus détente. Tu peux le mettre pour aller au restaurant, un restaurant un petit peu plus formel entre guillemets. Enfin, tu peux le mettre vraiment pour n'importe quelle occasion. C'est magnifique. Il n'y a pas plus beau qu'un polo sur un petit garçon. Mais vraiment, c'est l'intemporel. L'intemporel, je ne sais plus parler. Désolée, c'est l'intemporel, il n'y a pas plus classe que ça et c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Donc tu peux prendre tous les coloris, c'est, pour moi c'est la best. Si t'as un petit garçon, que tu sais pas forcément comment l'habiller en été, tu te dis ouais j'ai pas envie qu'il mette que des Marcel ou des petits t-shirts etc. T'es pas fan non plus de tout ce qui a plein de petits motifs comme ça et tout, parce que je sais qu'il y a plein de mamans qui aiment pas, et que t'as pas forcément les 1000 et des 100 pour acheter que des t-shirts Nike ou que des t-shirts unis, ça te saoule, tu veux quand même que ce soit un minimum habillé. Le polo, tu prends un polo point barre. Et même pour les petits garçons, les bébés, vous avez des polos tout simples ou alors des polos body. Mais ça, mais trop beau. Madine en avait plein, j'aimais trop. Alors toujours dans la catégorie des pyjamas, j'ai trouvé celui-ci que je trouve trop trop beau. Alors il est gris. Attendez, je vais bien vous montrer. Gris avec des petites têtes de tigre écrit Tiger. Et vous avez le short orange corail qui va avec. J'aime trop. Alors celui-ci, franchement,
Je le trouve canonissime. En plus, surtout les enfants, quand ils auront bronzé, ça va trop bien ressortir le petit short comme ça. J'aime trop. Franchement, je le trouve magnifique. Et je crois que c'est le même prix que tous les basiques. Je trouve plus l'étiquette. Je pense qu'il est à 5 euros. Mais l'étiquette, elle est. Je sais pas où elle est. Je l'ai perdue. Mais c'est 5 euros, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est 5 euros. Ensuite, ça, c'est mon coup de cœur. Franchement, je l'ai kiffé. Alors, attendez, je remets mes cheveux un peu en place. Là, je vais vous montrer vraiment mon coup de cœur. Genre, au-delà des polos, ça a été cette veste. Alors, attendez. Cette veste en jean. Basique, classique, vous allez me dire. Elle est vraiment trop jolie. Vous voyez? Je vais vous enlever l'étiquette, comme ça, vous allez mieux voir. Très jolie, avec la fermeture comme ça ici. Bref, basique. Sauf que là, vous avez une capuche. Et j'aime trop. Faut savoir que ici à Montréal, bon, cette année, on n'a quasiment pas eu de neige, hein, mais normalement, le printemps, c'est très, très, très pluvieux. Il pleut tout le temps. Donc, la capuche, déjà, c'est un indispensable. Mais quand tu commences à être dans un entre-deux saisons et qu'il fait encore un peu frais le matin et beaucoup plus chaud l'été, l'après-midi, je sais plus parler, franchement. Désolée, j'arrive plus à parler, mais je pense que c'est parce que j'ai trop parlé dans mon ancien hall et que là il se fait tard, hein, il est 19h30 un dimanche, je suis crevée. Bref, je trouve que c'est trop beau avec une doudoune sans manches. Vous voyez, vous mettez ça le matin avec du coup la doudoune sans manches et la capuche qui ressort comme ça, mais trop stylé, genre trop 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 stylé. Et après, du coup, bah, l'enfant enlève la doudoune sans manches, il remet dans son cartable et quand il revient l'après-midi, il a juste la veste en jean, c'est parfait. Et je trouve ça, mais canonissime. Ensuite, j'ai trouvé du coup encore dans les pyjamas. Alors, vous aurez capté que j'ai acheté beaucoup de pyjamas, mais parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est meilleure qualité-prix chez Kiabi. Donc là, ça va être un pyjama avec un t-shirt un petit peu gaming. Franchement, hyper mignon, hyper beau. Qui, je pense, plaira à beaucoup de garçons. Et vous avez le short qui est bleu marine un peu derrière qui va, enfin, qui va avec. Donc, c'est pas le même bleu, mais je trouve que ça tranche. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, 5, 6 euros. Je crois que je vous ai dit 5 pour celui-ci. Du coup, c'est pas 5, c'est 6. Si je dis pas de bêtises, parce que tous les pyjamas classiques chez Kiabi, c'est 6. Donc ouais, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai pris un petit t-shirt très simple, mais vert d'eau. C'est un peu mon mood. Vous aurez vu, à part le polo rouge, j'ai pris que des trucs un peu nude et tout pour les t-shirts. Donc là, j'ai trouvé celui-ci. Attendez, je vais mettre comme ça. Celui-ci. Que je trouvais très très beau. Vraiment magnifique, avec écrit Sun Everyday. Je l'aime beaucoup, il est très simple, il n'est pas trop chargé non plus. Et je pense que c'est tout version habit. Maintenant, je vais vous montrer du coup les caleçons. Il y a plusieurs lots qui sont arrivés dans des boîtes comme ça, donc super écologique, donc ça c'est top. Et c'est par 3. Des fois ça peut être 8 euros, des fois ça peut être 10 euros. Là, franchement, je ne saurais pas vous dire les prix. Parce que tout a été enlevé, je suis dégoûtée. Bref, il faut que j'arrête de rabâcher ça, mais je vous promets, je suis trop vénère, genre. Et ça, c'est grave un trait de mon caractère. Quand je suis énervée, et mes amis le savent, quand je suis énervée sur un truc, genre, j'en démords pas, je lâche pas l'affaire, je suis énervée pour de vrai, genre, j'arrive pas à faire l'hypocrite et faire genre, vas-y, j'oublie. Et là, vous le voyez, je fais que rabâcher, mais je suis trop vénère, en vrai de vrai, ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est mon ordi, mon PC. Quand je rentre ma carte SD, ça supprime les anciens fichiers, enfin, les tout nouveaux fichiers, donc je suis dégoûtée. C'est qu'un haul, Dieu merci, c'est pas comme l'autre fois, j'avais bah, toute la vidéo que j'avais faite qui a été supprimée, j'étais dégoûtée, mais j'ai quand même réussi à trouver 2-3 passages. Là, même avec le logiciel de récupération, ça récupérait pas. Du coup, c'est pas grave. Je refais. Donc, je vais vous montrer les caleçons. Pourquoi j'ai pris les caleçons chez Kiabi? Normalement, je les prends chez Zeman. Enfin, quand j'étais en France, je les prenais chez Zeman. Pour moi, c'était vraiment la meilleure qualité. Et ils étaient super beaux. Il y avait des licences et tout. Et ici, vous en avez qui sont bien, mais ils sont pas donnés. Parce que là, pour le coup, alors vous allez me dire, c'est pas logique. Mais ici, c'est beaucoup des caleçons de marque. Et du coup, ils sont pas donnés. Genre, c'est trop chelou. Tu peux, je sais pas, Polo Ralph Lauren, tu peux prendre un lot de 3 boxers. Ça va te coûter plus cher que d'acheter un Polo Ralph Lauren. C'est trop bizarre. Trop, trop bizarre. Donc, du coup. J'ai pris ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, on est sur un bleu foncé très basique. Là, on va avoir du gris avec des rayures vertes, enfin jaune verte. On va avoir un beige très très basique.
Là, on va en avoir un gaming, donc blanc, avec des... comment on appelle ça? Des images de casque, de manette, et avec écrit gamer. Ensuite, on en a un qui est kaki avec des images de casque de moto. On a des drapeaux et il y a écrit Never Stop. On en a un blanc avec écrit Street. Là, on a bleu avec écrit Local Only. Et vous avez un... On appelle ça un requin, pardon, avec écrit Sharky. Ensuite, on en a un blanc avec écrit Speed. Vous avez eu un skateboard, un vélo et une trottinette. Là, on va avoir le même, mais avec le fond vert foncé. Là, on en a un tout simple vert foncé avec une image de casque avec écrit Never Stop. Attendez, je mets bien. On a le même que l'autre, mais version fond gris. Et enfin, on finit avec le même que le gamer, mais version fond vert. Vert foncé, j'allais dire, mais vert tout court, ouais. J'ai eu trois lots qui étaient dans des boîtes comme ça. Et il y en a un qui était à 8 euros, les deux autres étaient à 10. Et il y en a un qui arrivait, pareil, dans un lot, mais en sachet plastique x3. Et qui était aussi à 8 euros. Donc je ne saurais pas vous dire lesquels étaient à 8, lesquels étaient à 10. J'ai tout enlevé des boîtes. Mais voilà. En tout cas, je pense que j'ai terminé. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Que vous êtes content et contente de pouvoir avoir une vidéo où je vous montre des choses que vous pouvez retrouver en France. Si jamais vous avez déjà fait le shopping de votre enfant, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire dans quel magasin vous êtes allé, quelles choses étaient belles et pas trop chères. Moi, je sais que vraiment Kiabi, c'est une valeur sûre, ça me manque tellement. On a plusieurs magasins français, style Decathlon et tout, qui sont ici, mais Kiabi, on l'a pas. Et en plus, ils n'ont même pas ouvert la livraison à l'international. Vous pouvez bah, faire comme moi si jamais vous êtes au Canada, soit aller directement en France et récupérer vos affaires, soit vous le faire, en... vous le faire envoyer. C'est ce que j'ai fait. Mais je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'y a pas, et Kiabi pour moi c'est the best vraiment. Il n'y a pas mieux en termes de qualité-prix, je trouve qu'il n'y a vraiment pas mieux que Kiabi. Même les stylistes et tout, je trouve qu'ils font des trucs incroyables. Alors c'est très enfantin parce qu'il y a quand même les petits motifs, les trucs comme ça. Mais ça fait aussi petit adulte, j'aurais dit petit ado et tout. Style la veste en jean, il y a les polos, il y a tout. Si tu aimes pas trop les motifs, ben, tu peux trouver ton bonheur. Et si au contraire t'aimes beaucoup les motifs, tu trouves ton bonheur aussi. Il y a beaucoup de licences. Moi, c'est juste que j'ai pas pris parce que je suis pas fan. Mais t'en trouves aussi. Donc pour moi, Kiabi, c'est vraiment le meilleur, mais le meilleur magasin pour les enfants. Ça, c'est clair. Même côté filles, il y a de belles choses. Il y a pas trop de licornes, de pompons, de trucs comme ça et tout. C'est très de la dentelle. Bon, il y a beaucoup de roses, évidemment. Ils axent beaucoup sur le rose pour les filles. Mais tu trouves encore du bleu foncé et tout, mais pas avec les gros motifs, vous voyez, que j'allais dire qu'on n'aime pas. Après, il y en a qui aiment, mais moi je sais que si j'avais une fille, c'est pas du tout mon délire. Les licornes, les gros arc-en-ciel, tous les trucs comme ça, c'est pas du tout mon délire. Et là, ben, vous trouvez vraiment beaucoup de choses, donc ça c'est top. J'ai beaucoup parlé. En tout cas, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez mettre en commentaire j'adore le shopping avec un cœur bleu, bah, bleu foncé comme Kiabi. Et si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous le dis à chaque fois, mais franchement, ça me fait hyper plaisir et ça permet que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre. Donc si jamais tu as une copine, une cousine, une collègue, une tante ou même ta mère avec qui bah, ce genre de vidéo pourrait lui plaire, n'hésite pas à lui envoyer. Et pareil, si tu as autour de toi une personne qui a des garçons et qui sait jamais trop comment les habiller, qui a peur parce qu'elle a l'impression que c'est tout trop moche. Genre on a trop cet a priori que pour les garçons dans les magasins tout est trop moche et que c'est mieux pour les filles, mais franchement pas forcément. Donc si jamais t'as une copine qui galère un peu avec son ou ses fils, n'hésite pas à lui envoyer cette vidéo. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Et si jamais vous voulez soutenir mon soutien, je peux parler. Comme je vous ai dit, je suis dégoûtée, je vais pas pouvoir vous donner les prix. Je suis énervée, je vous promets, ça me saoule. Je sais plus parler, vous allez mettre en commentaire
m'a coupé ça.